73 œuvres. Ça partait de 1913 à 1970. Mm-hmm. Il y avait des grands maîtres comme Ratour, Raland, Ramand, Ramanakamouj, des peintres voyageurs comme Tellier, Bléger, Bourgaud, et aussi d'autres peintres, petits peintres, mais de grandes factures comme Rassamuel, Ratchren, qui sont extrêmement rares à trouver, parce qu'ils étaient peints sur tissu à l'époque, et ces tissus étaient tellement fragiles, c'est compliqué à les retrouver sur le marché international. On peut les retrouver que dans de très grandes collections, ici sur Mont Athana ou en Europe. Malgache n'était pas classé. En fin de compte, on ne savait pas si on devait la mettre dans l'orientalisme ou dans l'africanisme. Alors donc, les gens ne savaient pas trop, surtout les grandes galeries et tout ça, les marchands, ils ne savaient pas trop. Alors ils ont décidé de le mettre dans l'orientalisme, parce que c'est ce côté Algérie qu'on voit ces femmes dans des vieilles maisons de terre, avec le pilon, le bandana dans les cheveux. Ça fait un côté orientaliste. Alors on l'a classé comme ça dans l'orientaliste. Mais aujourd'hui, comme disons avant, il n'y avait pas beaucoup d'attrait pour ces tableaux-là. Mais au fur des années, il y a des gens comme moi qui ont collectionné, des gens qui se sont mariés avec des Malgaches, des gens malgaches qui ont été en Europe, en Angleterre, en France, qui ont été dans les musées, et qui ont dit « Ah, pourquoi pas on ne récupérait pas notre patrimoine ?» C'est la suite d'un fonds de collection, d'une collection de plus de 30 ans de recherche. Le plus grand peintre, c'est Henri Ratour. C'est un peintre, en fin de compte, qui a gagné le premier Grand Prix de peinture ici en 1913. C'est un autodidacte. Il était fasciné par la peinture de Corot. Comment témoigne vraiment ce tableau? On ne peut pas dire mieux. On dirait vraiment un tableau européen, mais c'est à Madagascar. Et ça, c'était sa passion de Corot, les feuillages, les herbes. Ratour aussi faisait de l'aquarelle, faisait les deux. Là, je vais vous présenter un autre artiste, il s'appelle Rassamuel. Ça, c'est un frère de peintre de Émile Ralambeau. C'est dommage, j'en ai pas, parce qu'on les a rangés. C'est le perfectionniste dans l'aquarelle. Et Rassamuel, par contre, c'est un peintre très difficile à trouver, parce qu'il a commencé très tôt, c'est avant 1900, et il peignait sur toile. Et il y a beaucoup de ses œuvres qui ont été détruites dans la maison familiale. C'était une de ses cousines qui m'en a relaté les faits. Elle en a pu sauver quelques-unes du feu. Ils avaient jeté une malle, ils n'avaient pas ouvert la malle, elle était un peu pourrie, ils l'ont jetée dans le feu. Et là, quand la malle s'est éclatée, ils ont vu qu'il y avait des œuvres à l'intérieur, ils se sont précipités dessus, ils en ont sauvé quelques-unes. Malheureusement, ils n'ont pas pu tout sauver parce qu'ils en ont déjà brûlé avant. Pourquoi? On ne sait pas. Ce patrimoine restera donc à Madagascar. Et c'est ça qui me fait plaisir. Au moins, je n'aurais pas collectionné 30 ans pour rien, pour que ça reparte encore en Europe. Moi, je voulais, c'était mon but, c'est que ça reste ici. Voilà. C'était la deuxième session que je faisais à la mairie. On en a fait une l'année dernière, à la même époque. Au mois de février, toujours. Et on en fera une troisième l'année prochaine, si Dieu le veut, au mois de février encore. J'espère qu'elle sera plus belle. Tout le monde m'a dit qu'elle était magnifique, c'est mon exposition. C'est vrai que c'était une petite part d'un musée que j'ai emmené, en fin de compte.